Bonjour Samir, allez, passe, parle-moi de tes sessions BAFA sur Robert. Là, c'est pas moi qui t'avais déjà. Tout inscrit, il y a une bonne ambiance, vous avez pu voir. On se régale. Je suis un peu vieux, Samir. Mais par rapport à tes jeunes d'aujourd'hui, tu as quelque chose à leur dire? Ouais, franchement, pour c'est une formation d'approfondissement. Ça veut dire que c'est des jeunes qui ont déjà travaillé un petit peu dans le milieu de l'animation. Franchement, ils ont fait preuve de grande maturité et de professionnalité. Bon, bah écoute, je te remercie, Samir. Donne les objets maintenant, donne les objets. Une carte de la région. Voilà. Une langue de poche. Une boussole. Une boîte de préservatif. Boussole. Un vélo. C'est toujours un produit plastique, mais la boîte de bouche, c'est un petit peu. Quoi? Un revolver fusil. Il est resté dans la main. Pelle pioche et canapèche. Pelle pioche, c'est là. Pelle pioche, c'est bon après. Canapèche. Ok, c'est bon, merci. Ici. Vas-y. Un jeu de société. Ouais. Une lampe de poche. Ouais. Une carte. Ouais. Un livre de jeu d'extérieur. Attends. Ouais. Un sifflet. Ouais. Un réveil. Ouais. Et une boussole. Tu l'as pas dit dans l'ordre. Il y en a plein qui ont donné la boussole. Ouais, c'est bon. Un livre de gaz. Ouais. Un espace. Ouais. Attends. C'est en. Ouais. Un extincteur. Ouais. Un sifflet. Ouais. Une paire de ciseaux. Attends. Ouais. Un ruban adhésif. Ouais. Une canne à pêche. Ouais. Ton stage, qu'est-ce que t'as ressenti? Bah, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, ça m'a apporté beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de jeux et tout. Ça a répondu à tout ce que tu attendais, la formation scolaire a répondu à tout ce que tu cherchais à savoir dans l'université. Les lois, etc. Tout ça, ouais, je savais pas, j'ai appris tout ça. Et j'ai appris beaucoup de nouveaux jeux en fait. Je connaissais pas beaucoup de jeux. Et au niveau des formateurs, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai bien aimé. Les trois? Ouais, les trois, j'ai bien aimé. C'était gentil. Vous n'étiez pas sévère en fait. Donc nous on a mis que en fait, tu t'es bien investi dans le stage, cette troisième partie-là. On a mis aussi que tu as su mener genre des débats et tu as su communiquer avec ton groupe lors de ton travail. Et on a mis aussi que tu as atteint toutes les fonctions pour être animatrice. Voilà. Merci. Et voilà. Donc on a mis. Ouais, on a mis Donc bah, toi tu as eu ton stage, oui. Donc il y a eu trois séances, oui. Et ça t'a apporté quoi ces trois séances avec les autres et les animateurs? Ben, ça m'a, j'ai bien aimé, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai préféré ma troisième partie que ma première, ouais. J'ai plus appris ici que dans ma première. Et comment tu as appris qu'il y avait des stages sur Aubervilliers de BAFA? Moi, c'était des copines de ma classe qui m'ont amené à Aubervilliers. Parce que moi, j'habite à Saint-Denis à la base. D'accord. D'accord. Et donc, tu as quelque chose à dire aux animateurs? Bah, merci. Ok, bah, je te remercie. Merci.
Et félicitations. Ryan, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ton bac? Franchement, très bonne semaine. Les formateurs, ils étaient bien. Et c'est pas pour mentir. Non, là, je parle honnêtement. Franchement, les formateurs, ils étaient sympas, ils étaient cool. Franchement, bonne entente avec les gens. Juste, j'ai trouvé un peu que les gens qui postulent pour être animateurs, des fois, c'est un peu gamin dans leur tête. Il y en a qui sont jeunes. Ouais, voilà. Et sinon, dans l'ensemble, ça va, ça y est, c'était bien. Est-ce que t'as appris des choses par rapport à Franchement, je partais, on va dire, sur de bonnes bases déjà, mais si j'ai appris les choses qui me manquaient, surtout au niveau des lois, c'était surtout ça qui me manquait. Pascal, il nous a appris quelques jours en plus que je ne connaissais pas. Ça a été utile. Je te fais pas de suspense. Si tu veux. Ryan a été très à l'aise dans la session. Ryan est très sécuritaire, à l'aise en groupe. Il est prêt à participer avec tous. Il a atteint les objectifs du stage. Il est très à l'écoute et il a beaucoup participé en ayant le rôle de leader sur les côtés de l'autre. Ses connaissances. Donc qu'est-ce que tu as pensé de ces sessions BAFA? Franchement, la première partie, j'appréhendais un petit peu parce que je me lançais dans l'animation, je connaissais vraiment pas comment mes capacités ou autres. Donc la première partie, on va dire, ça a été la plus compliquée pour moi. Mais une fois lancé dedans, j'ai vu que ça va, j'aimais bien. Une fois lancé dans la deuxième partie, j'ai beaucoup aimé parce que sur le terrain directement, on m'a mis avec une équipe où j'étais à l'aise, où franchement, il y avait de la communication, de l'entraide, etc. Donc franchement, la deuxième partie, j'ai bien aimé. Directement après la deuxième partie, on m'a proposé de travailler là-bas. Donc depuis... Et c'est où octobre. C'est où là-bas? C'est quoi? Comment? C'est où là-bas et c'est quoi? C'est Joliot-Curé. En fait, je suis sur le centre de Joliot-Curé et Charlie Chaplin à La Courneuve. D'accord. Donc je suis animateur vacataire, mais je travaille, on va dire, en CDI ou CDD renouvelables. Donc je fais les nappes et les centres de loisirs et pendant les vacances, les centres de loisirs. Franchement, on a une bonne équipe, on s'entend bien entre nous. J'espère que ça va continuer comme ça. Et voilà, et franchement, la troisième partie m'a apporté du plus. Pascal et Matar, ils sont venus me voir, ils m'ont proposé de devenir formateur. J'ai accepté, donc je vais changer mon numéro avec Pascal, après on verra. Et comment dire, et je vais peut-être postuler sur Aubervilliers pour voir un peu changer de structure pour voir si je serai à l'aise ou pas. D'accord. Et tu as appris où qu'il y avait des animations BAFA sur Aubervilliers? En fait, Aubervilliers, comment dire, étant à l'atelier Cousseau, j'ai été informé de la première partie justement grâce à l'atelier Cousseau. Saïd, voilà, c'est ouais. Ça, mon crâne. Ouais. Il m'a proposé la première partie avec Assad de La Courneuve. Donc j'ai postulé, ils m'ont pris. Ensuite la deuxième partie, c'est comment dire, j'étais déjà à Joliot-Curé étant petit. Donc je connaissais un petit peu, donc je suis parti postuler, ils m'ont pris. Et ils ont bien aimé, ils m'ont bien aimé en tant qu'animateur, donc ils m'ont gardé. Et la troisième partie, j'ai un ami qui a passé sa troisième partie avec Zoé justement, qui s'appelle Amine. Il m'a conseillé d'aller voir Samir. Il m'a dit qu'il y avait une session troisième partie, donc je suis parti m'inscrire et voilà. Ok, donc pour toi c'est tip top, c'est... Voilà, franchement que du plus, que d'apprentissage et d'expérience en plus. Franchement, on porte. Bah écoute, je te souhaite tout de bon pour la suite alors. Merci. Et à bientôt sur Robert. À bientôt. Moi je trouve qu'il y avait une bonne ambiance. On s'est tous entendus, on s'est tous bien entendus. Les animateurs étaient très bien et voilà. Moi, qu'est-ce que je pourrais dire de bien? Alors, c'était une très bonne session. J'ai kiffé, j'ai fait des connaissances, il y avait une bonne ambiance. Franchement, c'était parfait, au top. Franchement, il n'y avait rien à dire, on s'est tous amusés. On a fait des connaissances, on a appris des nouvelles choses au niveau des enfants. Non, ça va, c'était cool. Les animateurs, c'était bien. Les formateurs. On avait un bon groupe et ça s'est super bien passé. Le stage s'est bien passé globalement et on avait une bonne ambiance. On s'est tous bien entendu, on a beaucoup rigolé. Bah, c'était une très bonne session. Je pense qu'il y a beaucoup d'amitiés qui sont liées grâce à cette table de ping-pong. Franchement, on s'est bien amusé. Il y a des formateurs de qualité.
Et maintenant on est des bons animateurs, enfin j'espère. Alors franchement on a appris plein de bonnes choses, surtout des chansons qu'on en faisait tous les jours. Et après on a appris à se connaître tous ensemble et franchement c'était bien. Moi j'ai bien aimé, il y avait une bonne ambiance et c'était bien. Moi aussi j'ai bien aimé. On a appris à devenir des vrais animateurs. On a appris la législation, tout ce qu'il faut pour encadrer des enfants. Et voilà, j'espère qu'on va se retrouver dans des centres de loisirs et qu'on pourra faire des activités. Les intersons. Voilà, les intersons des colonies. Voilà, merci. Bon, bah écoutez, les jeunes, je vous remercie et félicitations. Hein. Merci beaucoup.